République du Mali, décret numéro 20-22-0041-PTRM du 4 février 2022, portant convocation du Conseil national de transition en session extraordinaire. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu le décret numéro 20-21-0361-PTRM du 7 juin 2021 portant nomination du Premier ministre, à la demande du Premier ministre, décrète. Article 1er, le Conseil national de transition est convoqué en session extraordinaire le vendredi 4 février 2022 et jour suivant. Article 2, l'ordre du jour de cette session extraordinaire porte sur l'examen des projets de loi ci-après. La révision de la charte de la transition, projet de loi portant loi électorale, projet de loi portant modification de l'ordonnance numéro 2019-011-PRM du 27 mars 2019 portant création de l'Institut national de santé publique, projet de loi relatif au sang humain et ses dérivés, projet de loi portant règlement du budget d'État 2018, projet de loi portant institution de la police territoriale, projet de loi portant création du fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine d'or de Yatela. Article 3, le présent décret sera enregistré et est publié au journal officiel Bamako. Le 4 février 2022 est signé le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta, le premier ministre, Choguel Kokalamaïga. Fin donc de ce flash d'informations consacré à ce décret présidentiel. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.